Le président a évoqué un projet d'appréciation du dinar, l'augmentation des salaires. Le président a également affirmé que les indicateurs économiques qui font ou feront de l'Algérie un pays émergent sont disponibles et présents. Une déclaration appuyée par le récent rapport du FMI. Le chef de l'État a également évoqué un PIB qu'il annonce pour 2026 de 400 milliards de dollars, une inflation réduite à 4%, 6 000 investissements attendus dont certains ont démarré. Abdelmadjid Tebboune souligne l'importance capitale de la réorganisation des filières. Quels sont les ingrédients pour amorcer tous ces objectifs? Nous en parlons avec nos invités. 60 minutes économie, tous les jeudis de 13h à 14h. Monsieur Nabil Djemaa, économiste, monsieur Brahim Gendouzi, également économiste, vous êtes au téléphone à partir de Tizi Ouzou. Merci beaucoup pour votre réponse et votre présence dans cette émission. Avant d'aborder chaque chapitre, en tout cas chaque déclaration faite par le président lors de sa rencontre avec les médias, c'était samedi dernier, une appréciation, un sentiment global à l'écoute des déclarations inédites, à la limite déjà une revalorisation à 100%, les 400 milliards de dollars en 2026, et la date, l'année est très proche, là on ne parle pas d'anticipation à long terme. Le sentiment que ça vous a donné, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est plausible, est-ce que les ingrédients globalement sont là, sont présents. Monsieur Nabil Djemaa. Bonjour, merci pour l'invitation. En ce qui concerne l'économie, dans la globalité, bon, tous les indicateurs de la macroéconomie sont au vert en Algérie. Oui, le donc, FMI l'a récemment toutes les institutions financières internationales le disent. Donc, on ne peut pas cacher avec un tamis des chiffres donnés réellement par des institutions internationales. Donc, les chiffres sont là. Sur le plan macroéconomique, tout est réalisable, mais selon certaines conditions. Oui, on va parler de ces conditions. Juste un sentiment, monsieur Brahim Gendouzi, également votre avis, votre opinion sur les déclarations globalement de ce qui est sorti de la bouche du président. Bonjour. Tout d'abord, de mon point de vue, il s'agit d'une déclaration relative à des objectifs de politique économique sur le moyen terme, donc 2024-2026. Et ces objectifs 2026-2027. Jusqu'à peut-être 2027. Oui. Et c'est des objectifs de politique économique que le gouvernement aura à mettre en œuvre. Et je pense que derrière ces objectifs annoncés, qu'on va peut-être aller dans le détail tout à l'heure, oui, bien sûr. Il y a des hypothèses qui sous-tendent ces objectifs. Et à travers ces hypothèses, il y a une vision proactive de l'évolution de l'économie algérienne. Alors, des déclarations, encore une fois, avant d'aller chapitre par chapitre, point par point, sur les conditions qui permettent d'asseoir ces indicateurs pleinement dans l'économie nationale, des annonces comme celle-ci, elles réconfortent qui, elles soulagent qui, elles... c'est le monde d'abord du travail, c'est la revalorisation, également le monde économique. Est-ce que ça satisfait des déclarations, ça assoit une confiance, ça donne des indicateurs à l'international également? Ce message, il est perçu différemment par les catégories sociales, de quelle manière? Il est dirigé vers qui? Bon, tout d'abord, il est dirigé vers la population algérienne, tout d'abord. Donc les institutions publiques, privées, donc ces chiffres au vert, donc ils vont donner... Ça donne de l'optimisme. Ça donne de l'optimisme et ça donne, c'est-à-dire, ça donne une nouvelle image
une nouvelle image de l'Algérie nouvelle, c'est-à-dire l'Algérie, à travers les décisions prises par le président de la République, on est en train de réessayer de redorer le blason Algérie, le blason économique. Parce que depuis plus de 10 ans, la plupart des institutions financières internationales des pays sont en train de dire que l'économie administrée, l'économie, c'est des chiffres qui sont faux. Oui. Sur le plan microéconomique, les entreprises sont en faillite. L'Algérie ne peut pas aller vers le mur. Mais aujourd'hui, on voit que les chiffres sont au vert, on a une balance commerciale qui est positive, on a aussi une balance des paiements qui est positive, on a par exemple le taux de croissance qui est de 4,2, donc tous les agrégats de l'économie monétaire sont là. Donc, est-ce que justement la reconnaissance de ces agrégats, de ces indicateurs économiques par rapport à la croissance, par rapport au PIB, à l'investissement, le fait que ces chiffres soient reconnus et mentionnés par les rapports internationaux, c'est à ce moment-là que les chiffres et les indicateurs ont de la crédibilité en national ? Bien sûr, ça va donner une crédibilité pour les investisseurs étrangers. Parce qu'avant, ils disaient que l'Algérie est en faillite, l'Algérie ne transfère pas les fonds des étrangers, des investisseurs en Algérie. Ils ont donné une très mauvaise image de l'Algérie. Maintenant, le programme du président de la République avec les 54 points, nous avons vu beaucoup de changements, que ce soit la loi sur la monnaie et le crédit qui a donné un nouvel élan vers le secteur financier, pour moderniser le secteur financier. Donc on a vu la loi sur la monnaie et le crédit, la création de deux conseils, un conseil de l'équilibre général de l'économie algérienne et des finances algériennes qui a été créé entre la Banque d'Algérie, le CMC et le ministère des Finances. Donc la création d'institutions qui ont, c'est-à-dire amélioré nettement le climat des affaires en Algérie. Maintenant, il n'y a pas un pays ou une ambassade qui dit que l'Algérie ne transfère pas les fonds. On a transféré rubis sur l'ongle. Donc les chiffres sont là. Ils ne peuvent pas dire, parce qu'avant, ils parlaient sur notre dos. Ils disaient que l'Algérie, ce n'est pas possible d'investir en Algérie. Il y a de la bureaucratie, il y a ça et ça. Aujourd'hui, toutes les solutions ont été données et réalisées sur le terrain par le président de la République. On cite la loi sur la monnaie et le crédit, on cite l'amélioration du climat des affaires. Aujourd'hui, la distribution des terres agricoles et des terres industrielles sur une plateforme numérique. Oui, oui. Donc, la transparence, elle commence à... On défriche un peu on défriche la bureaucratie. Donc maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a de la bureaucratie en Algérie comme elle a été dans les 10 ans derniers. Donc il y a eu un changement, il y a eu des institutions pour combattre la corruption, il y a eu un contrôle de change émis par la Banque d'Algérie, plus rigoureux par rapport à avant, parce que avant on faisait des contrôles d'échanges avec des outils arriérés. Maintenant, avec la numérisation, on peut contrôler à tout moment, surtout la distribution du crédit, qui nous a fait défaut dans les 10 années, dernières années. Maintenant, il y a un contrôle, il y a une réorganisation au niveau des banques, où maintenant il y a des comités de crédit, il y a des directeurs généraux, il n'y a pas de président. Donc ça a changé. Donc, la structure de distribution et la structure de la gouvernance. Ah oui, surtout la gouvernance. Au niveau des différentes institutions. Vous pensez que. Laissez-moi quand même faire intervenir M. Guendouzi à ce propos. Alors, quelques années, bien sûr, depuis la présidence, la nouvelle présidence d'Abdelmadjid Tebboune, des réformes sont engagées. Il y a eu une accélération, il y a eu des échéances qui sont données. Le président a mis le point sur les grandes failles de l'économie nationale, à savoir la numérisation et la statistique. On est encore dans ce problème. Tous ces indicateurs, à votre avis, M. Brahim Guendouzi,
avec ce que l'on connaît, tout est encore en chantier, hein, une numérisation n'est pas, il n'y a pas une assise totale. Également sur l'élaboration des statistiques, c'est en cours, c'est un chantier toujours en cours, et ajouter à cela toute la part de l'informel. Qu'est-ce que vous pensez de ces indicateurs? Est-ce qu'ils sont, ils sont véritables? De mon point de vue, tout d'abord, dans un environnement où le changement est la seule constante, il y a lieu de faire évoluer tous les paramètres et tous les mécanismes liés à l'économie nationale. Et je pense que les déclarations sur l'économie nationale par rapport à des indicateurs fondamentaux constituent en quelque sorte des objectifs de politique économique sur un moyen terme. Et à ce titre, il y a lieu de travailler sur des hypothèses importantes. La première, il me semble, vous venez de signaler l'aspect statistique. Je pense qu'il va y avoir, à partir de 2024, un changement de l'année de référence. On va passer à 2011 et non plus à 2001. L'année passée, on a changé aussi l'année de référence qui était assez éloignée de 1989, on est passé à 2001. Oui. Donc là, cette année, c'est 2011, l'année de référence. C'est-à-dire donc tous les indicateurs économiques, tous les comptes nationaux de la comptabilité nationale seront calculés à partir de l'année de référence 2011. Et donc, ça va donner une autre image, une autre vision des indicateurs fondamentaux de l'économie nationale. Ça, c'est la première chose. Oui, oui. Deuxièmement, il y a lieu de faire trois hypothèses importantes de mon point de vue pour étayer les indicateurs annoncés. Il faut rappeler donc de quels indicateurs nous parlons. Alors, l'indicateur du PIB qui va passer à 400 milliards de dollars. Oui. Je pense qu'à travers le changement de l'année de référence qui sera 2011, il y a lieu d'ajouter trois importantes hypothèses, parce qu'à partir de là qu'on peut travailler sur les chiffres. La première, c'est le maintien du taux de croissance de 4,2% réalisé en 2023. Il faut On va parler d'une seule chose à la fois. Une il faut seule le maintenir, si ce n'est pas plus, une pour seule les chose années à la suivantes. Fois. D'accord. Donc, ça, c'est la première hypothèse, c'est le taux de croissance réalisé en 2023. Pardonnez-moi, M. Brahim Gendouzi. Oui. En fait, ma question, c'était pour rester un peu dans la structure, la chronologie. Ma question était de dire, tous les indicateurs actuels de l'Algérie, la croissance 4% reconnue par le FMI, bon, le taux d'inflation qui est aussi entre 8-9%, mais qui se serait à stabiliser prochainement à 4%, le PIB, nous en sommes à près de 230 milliards de dollars. Ces indicateurs actuels, tels qu'ils sont déroulés, qui sont présentés, quelles sont leurs sources? D'où ramène-t-on ces sources? Ce sont les organismes, c'est la banque centrale. Et quelle est la fiabilité de ces sources, connaissant le problème de numérisation, le problème de statistiques qui est posé, tous les organismes liés, et le problème de l'informel? Alors, justement, par rapport aux statistiques, comme je disais, l'année de référence sera 2011, mais le calcul des indicateurs globaux de l'économie nationale, comme les comptes nationaux de la comptabilité nationale, il y a une méthodologie qui est internationale, c'est la méthodologie, c'est le système de comptabilité nationale des Nations Unies de 2008 et que l'Algérie applique, sauf qu'il y a un biais qui existe, c'est celui de la collecte de données sur le terrain. Mm-hmm. Donc c'est ce biais-là qui pose problème et qu'il faudra justement améliorer. Mais sinon, les techniques de calcul sont connues, le système, le Conseil national des statistiques applique la méthodologie que le FMI applique, que la Banque mondiale applique. Et d'ailleurs, le taux de 4,2% a été donné aussi bien par le FMI que par les responsables de la statistique algérienne. Mm-hmm. Deuxièmement, s'agissant de l'inflation, l'inflation est mesurée dans notre pays par l'indice, donc un indice sur la consommation. Et il est calculé par l'Office national des statistiques.
Et je pense que cet indice est fiable, même s'il y a lieu de reprendre le panier de référence qu'utilise l'ONS. Et je pense qu'en 2022, l'indice sur la consommation a été à peu près de 8%, et 2023, 9,2%. C'est les taux d'inflation reconnus actuellement en Algérie. Par rapport aux autres aspects, la balance des paiements, c'est du ressort de la Banque d'Algérie, comme la politique de change. Et la balance des paiements, il y a aussi une méthodologie qui est reconnue par le FMI, que la Banque d'Algérie applique. Donc le solde courant est positif depuis la troisième année. La balance commerciale est positive et que ça donne des réserves de change en fin de compte équivalentes à 80 milliards de dollars, Vous en pensez? ce qui Vous pouvez donne interagir, l'ensemble Dominique, des, s'il vous plaît. ce qui donne l'ensemble des Oui, indicateurs économiques oui. qui sont au vert. Merci, Monsieur Nabil. Peut-être un commentaire, un complément, une réajuster, enfin donner une opinion différente. En général, les économistes sont des écoles de Oui, pensée non. C'est-à-dire, très différentes, hein. oui, si on parle de, c'est-à-dire, les voyants sont en vert sur le plan macroéconomique, mais sur le plan micro, il y a des problèmes. On a des problèmes d'entreprises déficitaires, les entreprises publiques qui ont des problèmes énormes. Bon, c'est vrai, à moyen terme, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a beaucoup géré le problème de la macroéconomie, donc pendant les 4 ans, mais au-delà de ce délai, pour arriver à réaliser 400 milliards de dollars, il faut aller à la microéconomie. Microéconomie. Donc, gérer les entreprises publiques et privées, améliorer le climat Climat des des affaires affaires, de ces l'accès au entreprises, l'accès crédit, au crédit, l'impôt et la l'impôt, réduction de c'est-à-dire l'impôt. orienté, c'est-à-dire. En fait, ce sont toutes ces réformes Ah d'accès au oui. foncier, Oui, non, de faciliter les l'investissement. réformes, ils sont là. Les réformes, ils sont là. Il y a les lois qui sont sorties, plusieurs lois, la Avec les monnaie, les textes crédits, d'application pour sur certains. Bon, l'investissement, sur le les foncier. avantages de l'investissement, même pour les étrangers. Oui. Donc tout ça, il est sur le terrain. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de la microéconomie. On va y arriver. Alors, avant donc parler microéconomie, on va essayer de comprendre par quel mécanisme, à quel mécanisme est procédé, quelles sont les institutions qui sont impliquées, par exemple, dans l'annonce du président d'obtenir un PIB, un produit intérieur brut, qui est la somme de toutes les richesses nationales. Donc par l'activité salariale, par les salaires, par l'activité économique, Par la liberté du marché. absolument. 400 milliards de dollars 2026, pour arriver à ce chiffre-là, à quoi pense le président? Qui est impliqué dans ce pays, cette équation, du PIB? Sachant que pour rehausser ce PIB, il faut tabler sur des investissements, sur la maîtrise de la dépense publique, sur l'augmentation des exportations, sur la maîtrise de l'importation globalement. Donc, quels Globalement, sont les mécanismes, les procédés? J'imagine qu'il n'y en a pas un seul, il n'y a pas une seule feuille de route, mais qu'il peut y avoir d'autres leviers, d'autres outils. Monsieur Nabil Djuma, à votre avis, à quoi le penserait le président, président? il a parlé dernièrement sur les 54 points où il a parlé de la coordination entre les secteurs. C'est vrai. Le plus grand problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas de coordination. On n'avait pas, dans les dernières la dernière décennie, on Absolument. n'avait pas de coordination entre les secteurs, entre le ministère des Finances, entre la douane, entre les impôts, entre les banques. Une Il y avait, dichotomie, ah oui, cacophonie il y avait un grand de problème. règlement et de Maintenant, discours. avec le projet de la numérisation, et c'est-à-dire dernièrement, il y a eu la coordination entre la Banque d'Algérie et le gouvernement Oui. par le biais du ministère des Finances, où le Conseil de la monnaie du crédit, avec le ministère des Finances, ils ont créé un conseil des équilibres généraux de l'État. Donc c'est important, surtout actuellement, pour combattre l'inflation, il faut créer un équilibre, il faut créer un vrai équilibre entre le taux de l'inflation Ah, oui. et le taux appliqué à l'économie. Parce que les économies actuellement
Et l'économie capitaliste, les économies socialistes, ils utilisent le taux d'intérêt. Mais il y a une autre économie. Maintenant, l'Algérie, elle a lancé la finance islamique. On a des revenus. Donc, c'est déjà une intégration. On ne peut pas aller. On de peut l'épargne pas, publique, pour oui, commencer. Oui, on ne peut pas. C'est-à-dire, comme ils ont fait la Banque Centrale Européenne, la Réserve Américaine, ils ont, pour combattre l'inflation, ils ont élevé le taux du crédit. L'inflation, nous, on y peut arrive, pas faire on y ça. Arrive, on y arrive. Restons oui, dans le PIB. D'accord. Donc, pour le PIB, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter la production nationale. Comment on doit augmenter la production nationale? Il faut libérer les investissements. Bon, déjà, il aide 6 000 investissements. Est-ce 6 000 investissements, donc, vont 300, garantir donc 50% ont été lancés. Donc, vous savez, il y a des phases dans l'investissement. Il y a la phase du lancement, il y a la phase de la maturité, il y a la phase du déclin ou la croissance. Donc les quatre phases de l'investissement, et on doit les gérer. Oui. Comment les gérer? Il faut la gouvernance. C'est-à-dire que les fruits se feront au bout de 3-4 ans. 3-4 ans, on ne peut pas aujourd'hui dire, c'est-à-dire, mais on a des investissements qui ont été lancés, ça fait longtemps. Oui. On a maintenant plusieurs investissements sur le plan agricole, sur le plan industriel et on a sur le plan de la pharmacie. Aussi, on a sur le plan commercial. Donc, tout ça... Donc, les outils, c'est développer plus la production, donc permettre plus d'investissement. Ah oui. Permettre la production, faciliter aux entreprises l'accès au financement, parce que on doit aller à l'optimum dans le financement de ces entreprises. Le président de la République, il a dit que les projets stratégiques seront financés par l'État à 90%. D'ailleurs, dans le conseil, le nouveau conseil supérieur... Les banques qui vont financer. Ils vont financer. S'ils ne financent pas les banques, il a créé un nouveau conseil supérieur de l'investissement qui va contrôler, il va donner des ordres à ces banques de financer ces projets stratégiques. Alors qu'il n'y avait pas ça dans les années passées. Est-ce que ça ne remplace pas un peu le CNI? Non, ça ne remplace pas. Le CNI, c'était lui qui décide. Mais maintenant, ce conseil, c'est un recours. Donc, c'est pour relancer les investissements du président. Parce qu'il a parlé de 400 milliards. Si on bloque les investissements stratégiques, on ne va pas arriver aux 400 milliards. Donc, il faut agir sur l'investissement. Sur l'investissement, voilà. La fréquence de financement. Et la manière comment on distribue le financement. À qui va le financement? Parce qu'avant, les financements, ils allaient à des secteurs non productifs. Donc, on est en train de... Donc, c'est des secteurs productifs, mais qui sont exportables, dont le produit, d'abord, sert l'économie et qui est exportable. C'est normal. Donc, il y a le retour de l'investissement. On va utiliser les fonds algériens de financement à 90% pour les projets stratégiques comme par exemple l'agriculture, la racine sucrée comme la betterave ou bien les huiles végétales et tout. Oui. Tout ça sera financé à 90% donc justement, par l'État. Ces investissements, cette production sur laquelle le président se réfère pour atteindre ces 400 milliards de dollars, elle touche des filières et des secteurs stratégiques. Ah oui, des filières, secteurs stratégiques qui vont... Qui sont Qui sont par exemple l'agriculture. D'abord. Parce qu'on est à 18% du PIB, on doit arriver minimum à 40% pour atteindre les 400 milliards. Donc pour arriver à 400 milliards, d'ailleurs même le président, il a parlé indirectement sur le management du secteur agricole. Oui. Il leur a dit on ne peut plus, c'est-à-dire un ministère qui va gérer par l'administration, la bureaucratie. On a vu les DSA et les directions agricoles pendant 30 ans, oui. C'est toujours la même histoire. Donc, il faut changer le management et la gouvernance de ces entreprises en créant des coopératives privées qui peuvent booster l'agriculture algérienne. On doit passer de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture scientifique. Et ça demande beaucoup d'argent, les financements. Donc, les financements sont prêts. Le président de la République, il a assuré les investisseurs dans le secteur agricole stratégique de financer ce travail à doit 90%. Se faire, c'est une réorganisation des filières, carrément. Ah oui, une réorganisation. Est-ce que dans 2 ans, ça peut se faire?
Ah, ça peut se faire dans une année, mais ça dépend du niveau des agriculteurs algériens privés. Donc, il leur a donné un la vrai main. remue-ménage dans Ah oui, remue-ménage, il faut plus aller vers les structures administratives. Parce que l'agriculture, elle n'est pas gérée par. Même, ça fait 40 ans qu'on gère l'agriculture administrativement. Mais aujourd'hui, c'est la science qui parle. Il faut aller vers la science. Parce que un producteur traditionnel, il peut nourrir 12-15 personnes. Mais l'agriculture scientifique, elle peut nourrir jusqu'à 1 million de personnes. Donc, il y a une grande différence dans le résultat, le retour de l'investissement. Maintenant, le président Vous de la pensez qu'il République. y aurait une autre autorité que celle du ministère de l'Agriculture qui Non, c'est pourrait pas une autre. chapeau, non pas une, pas une autorité, mais en tout cas une instance beaucoup plus facilitatrice qui engloberait tous les acteurs de la des différentes filières, Non, peut-être? le ministère de l'Agriculture, ces structures, ils restent, mais ils ont, c'est-à-dire, ils restent avec des décisions indicatives et non pas impératives. Donc, il faut laisser l'agriculteur travailler, faire ses projets, ses investissements. Il ne doit pas être, c'est-à-dire, géré par une administration. On doit aller vers la liberté de faire comme font tous les pays du monde. Donc ça, il faut changer le management de l'agriculture. Donc vous avez dit atteindre le PIB de 400 milliards de dollars, c'est la production, Ah, c'est la c'est le production. c'est la C'est la bureaucratisation. production, la débureaucratisation, le climat des affaires. C'est les structures, c'est appuyer, C'est les accompagner trois financièrement, facteurs. les investissements Les stratégiques, investissements l'agriculture. stratégiques, leur financement, c'est-à-dire les trois facteurs, le facteur humain, le facteur financier et le facteur, c'est le terrain. On a créé l'ODAS, l'Office de distribution des terres agricoles. Ils ont 200 millions d'hectares à distribuer. Donc tout ça va rentrer dans le PIB algérien si vraiment Oui. on va suivre les instructions préconisées par les 54 points du président. Donc les secteurs stratégiques, ce sont l'agriculture, vous avez mentionné, ensuite Il y a l'industrie. l'agriculture, l'industrie, la diversification de l'économie, les énergies L'agro-industrie, renouvelables, l'agro-industrie. l'agro-industrie, la pharmacie, L'industrie mécanique, l'industrie mécanique, l'industrie militaire. l'industrie militaire, bien sûr, l'industrie militaire et aussi l'industrie numérique. L'intelligence artificielle, artificielle, la numérisation, la digitalisation, tout ça, on doit investir. Aujourd'hui, les normes, comme il a parlé le président, on n'a pas encore atteint les normes d'investissement. Si nous allons vers la recherche, on est à 0,02 au lieu que 5%. Donc, on doit investir dans ces secteurs Finalement, pour élever le retard de tous ces secteurs est lié à un problème de financement. Non, un problème de coordination entre les secteurs. On a Et de parlé financement. de financement, bien sûr, parce que les financements, il y avait des financements en Algérie. Si on fait les statistiques de financement en Algérie, Oui. on voit que c'est des milliards que les banques ont perdus. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui dit Perdu. que les banques algériennes ont fait faillite 69 fois et le gouvernement intervient pour les sauver. Donc, on doit changer Ce de qui est cap. pareil pour les entreprises publiques Ah oui, parfois. on a ouvert le capital du CPA. Pourquoi? C'est pour changer la donne de gestion Le de ces banques. management des Le banques. management des banques, la Les gouvernance, prises de risque des les banques. prises de risque et aussi la distribution égale du crédit. Merci, Monsieur Brahim Gendouzi. À vous la parole sur les outils, les mécanismes, les institutions associées pour réaliser les 400 millions de dollars de PIB, les secteurs stratégiques et quelle serait la recette? Alors, tout d'abord, moi, je raisonne en termes d'hypothèse. Comme je l'ai dit, l'investissement est le moteur de la croissance. Et par conséquent, la première hypothèse, c'est le lancement de tous les projets d'investissement. Il faut qu'ils rentrent en production dans les années, cette année, l'année prochaine, 2026. Il y a à peu près 6 000 projets au niveau de l'API. Donc, il faut que ces projets soient concrétisés sur le terrain. Oui. Évidemment, il y a des contraintes liées au financement, il y a des contraintes liées aux fonciers, il y a des contraintes de gouvernance, il y a des contraintes
liées à la localisation des investissements. Mais il ne faut pas rester au niveau de l'enregistrement de ces projets. Il faut qu'ils se concrétisent sur le terrain. Et ça donnera de la production et de la valeur ajoutée. Justement, pour la, juste cette question de concrétiser les investissements. Alors, tous les investissements ont besoin de matières premières. Tout n'est pas sur le, disponible sur le marché. Ils ont besoin d'équipements et importés. C'est-à-dire, l'effort d'investissement est également, va de pair avec une augmentation peut-être du coût des, des importations. Laissez M. Brahimi sur cette même question. Ça va de soi. Oui, parce que c'est un processus. Un investissement nécessite des achats d'équipements, de matières premières. Oui. Je pense que les mécanismes sont mis en place. Donc, un investisseur a accès au financement en devise pour importer ses équipements, pour importer ses matières premières. Oui. Juste pour moi, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que en amont, le financement sera garanti pour les investisseurs, l'accès au foncier économique sera garanti. Et évidemment, il y a un problème de gouvernance dans le pays, il y a un problème de déficit au management. Ces aspects-là, c'est avec le temps qu'ils vont être réglés. Mais dans tous les cas, la première hypothèse pour arriver à un PIB de 400 milliards de dollars, c'est la concrétisation des projets d'investissement et ça doit donner la production. La deuxième hypothèse, il faut rester dans le taux de 4,2% de croissance économique. Oui, il faut la maintenir. Il faut la maintenir, sinon ça poserait problème. Donc ça, c'est l'hypothèse forte. Troisième hypothèse, à mon avis, c'est la stabilisation du marché pétrolier international, parce que les coûts du pétrole constituent un élément fondamental dans le fonctionnement de l'économie nationale. Donc, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est important. Quatrième aspect, c'est, quand je disais investissement, en fin de compte, il faut compléter. Il y a les projets déposés au niveau de l'API, il y a les investissements qu'engage l'État, des investissements structurels dans le domaine public. Minier, dans le domaine des énergies renouvelables, dans l'hydraulique. Oui, dans les mines de direct, sur la voie ferrée, sur les routes. Créateurs de valeur ajoutée. Absolument. Il faut les prendre en considération, il faut accélérer leur concrétisation. Oui, qui va drainer enfin, aussi un tissu de sous-traitants. Enfin, la dernière hypothèse, c'est lié au marché du travail. Il faut qu'il y ait donc un marché du travail dynamique, pouvoir donner les qualifications nécessaires pour permettre à l'appareil économique de fonctionner. C'est la dimension humaine, la ressource humaine. Le marché du travail, c'est les formations. Les formations, les qualifications, etc. Donc ça pose problème dans certains secteurs d'activité. Merci, M. Gendouzi. Un élément sur justement ce désir de maîtriser, réguler, organiser l'importation, réduire quand même par la production cette facture, mais en même temps, plus d'investissement il y a, plus un recours vers les importations, M. Nabil Djemaa. Oui, pour atteindre un équilibre. Oui, pour atteindre ce chiffre est possible, mais cela nécessite à suivre une stratégie économique. Donc, on doit aller vers la stratégie économique qui est la diversification des ressources de financement, soutenir les secteurs. Est-ce que ça augmenterait systématiquement lorsqu'on investit davantage, lorsque bien sûr, la production doit être disponible et qu'il ne il vient. Mais on doit avoir une stratégie. On a parlé de stratégie pour arriver aux 400 milliards. La stratégie, elle est claire. Elle passe par là. Il faut soutenir les secteurs non pétroliers, tels que l'industrie, l'agriculture, le tourisme, la pétrochimie, même la pétrochimie. On a fait des retards immenses. On doit aller vers la pétrochimie. Justement, quel est le rôle des IDE dans cette équation et dans les conditions à mettre pour atteindre cet objectif? Les IDE pour transférer le savoir en management, pour transférer de la technologie, pour apporter du capital. Oui, c'est important. Les IDE, c'est le know-how. Ils vont nous ramener parce que nous sommes en train de vendre même notre gaz. On le vend à perte, notre gaz. Si on a fait la pétrochimie, il y a des produits dans le gaz qui rapportent 5-6 fois le prix du gaz.
Donc tout ça, oui, on doit aller vers les technologies de pointe, on doit former notre personnel, la ressource humaine, il faut la gérer, il faut plus rester comme on était dans les années 70 ou 80. Donc la ressource humaine, il faut gérer la ressource, développer la main d'œuvre et fournir des compétences nécessaires pour augmenter les investissements en Algérie. Ah, oui, voilà, toute l'équation économique, c'est qu'en même temps, on essaye de améliorer les infrastructures du pays. Il faut maîtriser la dépense publique. Bien sûr, on doit maîtriser. Là où il faut dépenser. Oui, bien sûr, on doit maîtriser la dépense publique en allant par le ciblage des subventions. Parce que là, nous perdons un argent fou. Nous importons pour 12 milliards de dollars pour la facture alimentaire. Donc on peut, à travers l'agriculture, gagner 50% de cette facture et exporter ces produits. Au-delà de ce ciblage, où faut-il faire des économies de dépenses au moment où il y a une nécessité de dépenses? Bien sûr, on doit cibler nos dépenses, on doit faire une analyse financière de nos dépenses, parce que nous dépensons beaucoup. Où est-ce qu'on dépense beaucoup, en fait? On dépense sur les subventions. Vous l'avez cité. Les subventions, on est à 20%. On est à 20 à 21 milliards de dollars. En dehors des subventions. En dehors des subventions, on a la gestion, c'est-à-dire développer la gestion de ces entreprises, la gouvernance. Alors, on doit mettre des gens à la hauteur. Les entreprises publiques. On doit mettre des gens à la hauteur pour ne plus, c'est-à-dire gaspiller de l'argent de l'État. Donc tout ça rentre dans le cadre du climat des affaires et la concurrence des entreprises algériennes. On doit créer un climat de concurrence entre nos entreprises publiques et privées pour booster l'économie algérienne, pour donner là, un plus. C'est la pleine intervention de l'État. Qui est à la fois régulateur, mais qui va être le plus gros investisseur. Ah oui, l'État plus grand investisseur, mais il faut, par exemple, des démarches administratives souples. Oui. On n'est plus dans le carcan des années 90 On doit, c'est-à-dire, améliorer, soutenir l'innovation des entreprises. Vous savez qu'on n'a pas de l'innovation dans nos entreprises. On doit aller à l'innovation. Vous savez, le taux de croissance de l'innovation, il est à 7 à 8 fois du PIB. Donc, on doit utiliser l'innovation dans nos entreprises. Donc, mais c'est un pari qui peut être gagné, à votre avis. Bien sûr, c'est un pari. Le président l'a parlé. Il a parlé de la corruption. Il a dit, si ces voleurs nous laissent tranquilles, on va mener le bateau à bon terme. Donc il y a trop. À bon port. La corruption, d'ailleurs, le président de la République a créé des institutions pour ça. Parce que la corruption, elle a gangréné les finances de l'Algérie. Nous avons perdu beaucoup d'argent dans des financements inadéquats. Donc maintenant, on doit cibler les financements de l'État. C'est ça la politique budgétaire. On passe au chapitre inflation, ensuite appréciation du dinar. L'inflation... Là aussi, hein, là, ces mécanismes, l'inflation, tout le monde connaît un peu les ingrédients de cette inflation. Ouais. Un panier de la ménagère, hein, qui coûte plus cher. Voilà, donc il y a une évolution des prix à la consommation, des produits à la consommation, ce qui induit un faible pouvoir d'achat. L'inflation devrait atteindre, être réduite jusqu'à 4%. Oui, le meilleur taux, c'est... Laissez M. Brahim, ouais. Et ensuite on revient vers vous, M. Nabil Jema. M. Brahim Gendouzi, là aussi, bon, il y a des différentes formes d'inflation, hein, l'inflation par les coûts, l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation importée d'ailleurs aussi, oui. L'inflation par la forte demande, et puis l'inflation par... dit-on, la monnaie, lorsqu'on a beaucoup de monnaie salaires, en circulation, et ce qui va être fait par l'augmentation des salaires ou la planche, parfois la planche à billets. Comment est-ce que vous pensez que de 8-9% de l'inflation, on arriverait à 4% d'inflation, à votre avis? Sur quoi faut-il agir? De mon point de vue, je pense que l'inflation est induite en Algérie à travers trois principales causes. La première, c'est... Spéculation. C'est l'importation, puisque l'inflation touche le monde entier depuis la crise Covid. Mm-hmm.
L'économie algérienne est une économie extravertie. Nous importons beaucoup de choses, près de 40 milliards de dollars par an. Et nous avons une inflation importée en termes de prix des inputs, des équipements, Oui. du transport maritime. Ça, c'est la première chose, la Oui. première cause. Oui. La seconde cause, c'est une insuffisance de l'offre constatée dans plusieurs filières agricoles et dans l'industrie C'est également. le manque de L'insuffisance de l'offre, disponibilité le manque de de production, production. la faiblesse de production dans certaines activités. Oui. Et troisièmement, c'est important, c'est essentiel, les dysfonctionnements dans les circuits de distribution et la dimension secteur informel ont fait que nous avons une inflation qui est de 9,2% en termes mesurés par l'indice à la consommation de l'ONS. Donc, comment juguler cette inflation? Je pense que tout d'abord, l'inflation, la stabilisation des prix est du ressort de la Banque d'Algérie. Donc, les prérogatives de la Banque d'Algérie, l'article 35 dit que la stabilité des prix doit être comme objectif de politique monétaire. Et par conséquent, il y a lieu d'agir sur d'avoir une gestion proactive de la liquidité. Deuxièmement, il faut, disons, améliorer la production. Et troisièmement, avoir une plus grande flexibilité du taux de change pour permettre d'atténuer l'inflation importée. Mais dans tous les cas, l'inflation ne peut être maîtrisée que par l'effort de tous. Ce n'est pas uniquement la Banque d'Algérie dans la dimension de politique monétaire, Oui. mais c'est également tous les secteurs d'activité doivent contribuer et arriver à une meilleure maîtrise des circuits de distribution, et une meilleure amélioration de la production et un tant soit peu un meilleur contrôle sur le secteur informel qui échappe à l'activité économique, aussi bien en termes de la gestion de la liquidité monétaire que par rapport aux moyens matériels qu'ils disposent Mais qu'est-ce qui pour justement contrôler la échappe? production. Qu'est-ce qui échappe à toutes ces institutions qui ont un rôle à jouer? Vous citez toutes les institutions de la banque. Qu'est-ce qui leur échappe? C'est-à-dire que les mécanismes sont là. On peut les actionner. Ils ne le sont pas. Et combien même ils ont pu être actionnés par moment, ils n'ont pas donné leurs résultats. Et voilà ma question, qui est un constat à la fois, Monsieur Brahim Guendouzi. Alors, il y a deux Oui. dimensions dans votre constat. Effectivement, il y a tout d'abord la question de la coordination entre les institutions de l'État pour juguler l'inflation. L'inflation, heureusement, on n'est pas arrivé à la spirale inflationniste. Donc, l'effort de tous doit y être pour arriver un tant soit peu à la maîtrise de l'évolution des prix. Donc, les mécanismes qui sont actuellement mis en place, c'est une amélioration de l'approvisionnement du marché, y compris par l'importation, un meilleur contrôle des marchés en termes de contrôle des prix, de contrôle qualité, de contrôle dans les quantités, etc. Et la numérisation joue un rôle important dans cet aspect-là. Et enfin, la coordination entre les différentes institutions de l'État pour que ce contrôle puisse s'effectuer de façon correcte et permanente. Nous avons eu, durant ce mois de Ramadan, disons, un aspect Un positif échantillon du résultat de la coordination. où le marché est serein, c'est-à-dire nous n'avons pas eu la cohue-bohue des années passées au niveau de nos marchés. Donc, parce que en amont, il y a une prise en charge des activités, de la distribution, des acteurs qui interviennent et sont plus sensibilisés. Donc, ça, c'est un point fort pour la lutte contre l'inflation. Le deuxième point, je pense que la Banque d'Algérie est en train de prendre les mesures nécessaires dans la dimension monétaire, puisque dans les statistiques qui ont été données par la Banque d'Algérie entre 2022 et 2023, nous avons constaté une hausse de la masse monétaire, et ce qui symbolise qu'il y a une inflation forte.
Alors qu'il faut aller dans la maîtrise de cette masse monétaire pour pouvoir atténuer le taux d'inflation. Et donc, un objectif de politique monétaire ou bien une politique monétaire un peu plus rigoureuse peut atténuer le taux d'inflation sur le moyen terme. Et également, comme je l'ai dit, le taux de change aussi peut jouer un rôle important par rapport à l'atténuation de l'inflation importée. Merci, Monsieur Ibrahim Guendouzi. La question est de savoir, quand on maîtrise les raisons de l'inflation, quand on connaît, on identifie dans Les ses, raisons. des, ses, les entrailles, là, on peut peut-être apporter des réponses. Donc, pour rapporter les réponses à l'inflation et la réduire à 4%, quelles sont les causes de l'inflation à prendre en compte et à attaquer? Les premières causes, parce qu'aujourd'hui, l'inflation en Algérie reste préoccupante et nécessite une approche multidimensionnelle. Pour la maîtriser, on doit aller à l'outil de la politique monétaire. Donc, il y a la masse monétaire Oui. qu'on doit contrôler. Nous C'est le savons que, principal d'ailleurs, levier. ah oui, le principal. Expliquez-nous par quel effet, de quelle façon la circulation de la monnaie de manière dense provoque l'inflation. Auparavant, la dernière décennie, il n'y a pas eu de contrôle de la masse monétaire. Donc, la Banque d'Algérie, n'a pas utilisé divers instruments, tels que le coefficient des réserves obligatoires. Dernièrement, on a vu qu'ils ont augmenté le coefficient de réserve Les obligatoire banques. sur les opérations de marché et limiter la croissance de la monnaie Dites en circulation. nous simplement pas en jargon Donc, économiste. la Banque d'Algérie, avec la nouvelle équipe du CMC, ils ont commencé à mettre en place les outils de la politique monétaire, tel le contrôle de la monnaie sur le marché. Nous savons que dernièrement, ils sont allés vers la planche à billets et ils ont imprimé 65 000 milliards de Milliards. dinars. Ils sont dans le bilan de la Banque d'Algérie au négatif. Donc tout ça, même le président, il a parlé. Il a dit que c'était anormal Oui. de dévaluer la monnaie algérienne d'une manière anormale suite à la planche à billets, suite aux dévaluations successives. Parce que la monnaie algérienne, elle a des fondements. Ces fondements, on doit les utiliser. Par exemple, la réduction des dépenses publiques, on a vu les dépenses, elles étaient astronomiques. Donc on doit aller vers la réduction. Le CMC intervient parce que le rôle du contrôle de la monnaie et de la stabilité des prix, c'est le rôle de la Banque d'Algérie. Donc, la Banque d'Algérie, elle a utilisé dernièrement des outils efficaces. Ils ont changé de cap avec la nouvelle loi sur la monnaie et crédit. Ils ont plus d'interventions sur le marché. Aussi, la politique, il faut changer la politique structurelle de l'économie. Il faut utiliser, par exemple, il faut aller vers les organisations patronales, vers le public, leur expliquer comme quoi il ne faut pas aller à l'inflation. Parce que là, sur le plan psychologique, c'est important. Maîtrise des coûts. Maîtrise des coûts, maîtrise de la consommation et maîtrise de la production pour qu'on n'aille pas dans les taux d'intérêt anormaux comme l'a si bien dit le président de la République. Il nous a dit, on a dévalué le dinar, on a créé l'inflation d'une manière anormale. On a les fondements de l'économie algérienne pour évaluer notre monnaie, les outils de la politique monétaire avec le contrôle budgétaire et tout. On n'a pas fait ça pendant 10 ans. Donc, on a changé de cap. Maintenant, les nouvelles orientations, les 54 points que le président a demandé en créant le Conseil des équilibres financiers, auprès du ministère des Donc, il y a Finances. Une veille sur le Ah oui, une marché veille sur le monétaire. marché monétaire et une veille sur. D'ailleurs, on a constaté depuis 2021 à aujourd'hui que le dinar par rapport au dollar s'est apprécié de Mais 3,2%. la différence entre le dinar apprécié face aux devises dans banque et sur le marché. Non, même la stratégie lancée par le président de la République pour arrêter les importations massive des produits. C'est ça qui crée l'inflation importée de l'étranger. Donc, il y a la planche à billets, il y a l'inflation importée. On doit maîtriser ça. Par quoi? Par la production. Si on produit sur notre marché, on va Réduire diminuer l'importation l'importation et de la l'inflation, réduction pardon. des finances publiques.
Parce qu'on est arrivé, on était à 60 milliards de dollars d'importation. Des biens alimentaires. Vous savez, on était en 2000, on importait 9,5-10 milliards de dollars. En 2010, on est arrivé à 60. Donc, on a multiplié par 6 les importations. Pourquoi? Est-ce que le peuple algérien a été multiplié par 6? Non. Est-ce que l'Algérien, il a 6 voitures? Non. Est-ce que l'Algérien, il a 6 maisons? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... Il y a eu un échappatoire au contrôle budgétaire en Algérie. Donc maintenant, on est revenu à l'utilisation des outils monétaires pour contrôler les importations. D'ailleurs, nous sommes à 40 milliards, 41 milliards, et on doit encore baisser de 8 à 9% pour arriver aux 400 milliards de dollars. Parce qu'on doit baisser les importations. Il y a des dommages collatéraux quand on est dans un réajustement de la gouvernance économique, notamment dans la réduction des importations. Est-ce qu'il y a des dommages subis par les opérateurs, par des groupes d'importateurs, par un secteur donné qui est très dépendant des importations? Oui, parce qu'avant, il y avait des contrats pour les importateurs. Ils devaient importer 3-4 ans, après ils commencent la production. Mais ils n'ont pas fait ça, ils ont triché. C'est pour cela maintenant, il y a des cahiers des charges pour les importateurs. Ils peuvent importer pendant 3 ou 4 ans, mais après c'est basta. C'est pour les équilibres des finances publiques, parce que on a la balance des paiements, on doit l'équilibrer, on ne doit pas que importer, c'est-à-dire cet argent en devise qu'on ramène du pétrole, on doit l'investir dans la technologie, dans la production, dans le savoir-faire. On a besoin parce que on travaille. C'est une valeur sûre. Oui, à long terme. C'est-à-dire on gère notre pays avec une sous-utilisation de nos moyens en devise. C'est ça, on doit les utiliser, nos devises, à l'optimum, pour, c'est-à-dire, mener à bien l'économie algérienne vers le développement. D'ailleurs, le président de la République, il a parlé qu'on est devenu non pas un pays en voie de développement, mais émergent. Parce que arrivé à 400 milliards, on devient obligatoirement émergent. Il faut avoir cette reconnaissance internationale. Bien sûr, déjà les institutions financières internationales. Le BRICS contient les pays émergents. Oui, le BRICS contient, mais même le BRICS, il a des pays où ils sont en faillite monétaire. Donc nous ne sommes pas en faillite monétaire. On est bien placé sur le bassin méditerranéen. Est-ce que tous ces éléments vont à tous ces éléments, c'est-à-dire maîtriser l'inflation et augmenter le PIB, vont aboutir inéluctablement, développer les exportations à une réévaluation, une appréciation du dinar algérien? À qui ça peut profiter cette appréciation, M. Guendouzi, ensuite M. Djemar? Je pense un dinar change, fort, à qui ça profite, pourquoi et pour qui? Quand on parle de taux de change, tout d'abord, c'est un reflet de l'économie nationale, aussi bien de la production que l'importation que les exportations. Et la Banque d'Algérie, qui a la responsabilité d'adopter une politique de change, table sur un taux de change effectif réel. C'est en quelque sorte le pouvoir d'achat que possède la monnaie nationale par rapport à l'extérieur. Et donc la politique de la Banque d'Algérie, c'est de stabiliser le taux de change effectif réel qui est identifié à partir des fondamentaux de l'économie nationale, en l'occurrence le différentiel d'inflation avec les pays partenaires, le degré d'ouverture de notre économie qui est déjà ouverte, le prix du pétrole évidemment et les dépenses publiques. Donc ces aspects-là, ces éléments qui vont influer sur l'évolution du taux de change. Donc le taux de change est un indicateur important, comme d'ailleurs le taux d'inflation, le taux d'intérêt, et je pense agir pour améliorer, pour apprécier et faire apprécier le dinar, on doit passer par les éléments qui sont importants, tels que la maîtrise de l'inflation, telle que la maîtrise de la balance commerciale, la balance de façon courante de façon générale, et l'hypothèse de stabilité des cours du pétrole, ainsi que les dépenses publiques. Tout à l'heure, j'avais omis de signaler les dépenses publiques. Plus il y a un déficit
dans les dépenses publiques, plus ça alimente l'inflation, évidemment. Cet aspect-là est important à prendre en considération. Monsieur Nabil Djemaa, apprécier le dinar, lui donner plus de valeur, à qui ça profite, les exportateurs ou pas, une opinion, un décryptage, Bien sûr, deux minutes parce pour qu'on le dire. doit apprécier le dinar. Pourquoi? Le président de la République, il a parlé de dévaluation du dinar d'une manière anormale. Donc, les quatre fondements de l'évaluation de la monnaie algérienne, on a signé des conventions avec les banques centrales étrangères pour les quatre fondements. Les quatre fondements sont le prix du pétrole, la balance des paiements, la balance commerciale et la concurrence avec les autres pays, Donc tous ces fondements sont au vert. Pourquoi nous avons dévalué? Ils nous ont induits en erreur. Ils nous ont dit, si vous dévaluez, vous aurez plus d'exportations. On a dévalué, on n'a rien eu. Pourtant, la Donc Chine a une monnaie pour dévaluée cela, par rapport ah oui, au c'est dollar pour cela et... le président de la République, il a parlé de dévaluation anormale. Maintenant, on doit utiliser ces fondements. Nous avons signé des conventions. Quand le prix du pétrole est bon, quand la balance des paiements est au positif, Oui. on doit réévaluer notre argent, Oui. notre monnaie. Parce que ça fait partie la réévaluation de la monnaie algérienne, ça fait partie Ça profite à qui? Dernier mot. ça profite au pays parce que nous aurons un dinar fort et une économie forte et non pas le Tourner contraire, vers l'exportation. tourner vers l'exportation et on peut aller vers l'exportation parce que maintenant tous nos produits sont concurrentiels sur le plan qualité, prix et quantité. Merci beaucoup, Je monsieur vous en Nabil prie. Djemaa. Merci beaucoup, monsieur Ibrahim Gendouzi. Mesdames, messieurs, merci et Sahaïd Koum.